Que vous soyez fan de cinéma, de science-fiction ou de sneakers, si vous deviez me donner le modèle de Nike ou le modèle de basket en général le plus iconique de toute l'histoire, grand nombre d'entre vous me répondrez les Nike Mag de Retour vers le futur. Et bien figurez-vous les amis que c'est cette paire de baskets qu'on va découvrir ensemble. Il y a 3 ans maintenant, et oui que le temps passe vite, je vous avais présenté la paire de Nike Mag en vidéo. On avait fait l'unboxing ensemble. Sauf que cette dernière était la version non autolassante. Et bien celle-ci les amis, elle est autolassante. Je sais pas si vraiment elle valent le coup, on va le découvrir ensemble. À mon sens, à l'heure actuelle, je vous dirai non. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. La paire de baskets que je vous avais présentée également il y a 3 ans, non autolassante, a également été mise à jour. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo les différentes améliorations qui ont été apportées. Et déjà, est-ce qu'au niveau du packaging, ils ont fait quelque chose de nouveau? Yes! Déjà, il y a une vraie évolution. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà commandé leur paire de Nike Mag, eh bien, ça va vous surprendre parce qu'enfin, ils ont mis des grosses protections en plastique. Et ça, c'est un très bon point parce que très souvent, très souvent, elles arrivaient avec la boîte abîmée. La boîte jaune rectangulaire aimantée, celle-ci est destinée à la version non autolassante. Et bien sûr, ce sont souvent, très souvent, des répliques qui tournent sur le marché parce que les versions commercialisées sont quasiment introuvables et sont à hors de prix puisqu'elles étaient commercialisées uniquement aux enchères en 2011 pendant une semaine. Et la plus grosse vente aux enchères qui a eu lieu, elles ont été vendues à 35 000 $ et c'est un champion de la NBA qui a remporté le lot, quoi, enfin la paire. Et quelques jours après, on l'a vu faire une partie de basket avec. Les versions Autolice sont sorties en 2016, cette fois-ci, uniquement 89 exemplaires dans le monde. Enfin, elles étaient vendues uniquement en loterie. Une loterie qui était réservée aux États-Unis et au Canada, 89 exemplaires, et le billet de loterie était à 10 $. C'est la première fois que je vois cette boîte de mes propres yeux, que je peux enfin la toucher. The future is now, le futur est maintenant. Et le sticker Magnetic Anti-Gravity, c'est le même sticker qu'on retrouve sur les boîtes jaunes, celles qui sont non autolassantes, avec la fameuse signature de Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, c'est qui? C'est le créateur des plus grosses chaussures à succès de chez Nike, les plus grosses baskets. Celles qui ont remporté le plus de succès, c'est celles qui sont passées entre ses mains. Ce mec est un génie, tout simplement. Il a fait vraiment de super baskets, notamment, c'est lui l'inventeur des Air Jordan. Jordan commençait un petit peu à se lasser des Nike, du coup, lui, il a eu l'idée, il a dit, écoute, on va créer tes propres baskets, les Air Jordan. Et il avait une vision, il s'est dit, à force de voir les basketteurs en début de partie, en début de tournoi, serrer fortement leurs baskets, il s'est dit, je pense qu'en 2015, les baskets du futur, elles seront intelligentes, elles se lasseront toutes seules, puisque ça permettra de rapidement les lasser, les serrer et les desserrer, ça serait le kiff pour les basketteurs, quoi, et elles n'auront aucune couture apparente, et c'est comme ça qu'il a eu la vision des Nike Mag. Donc derrière, on a le logo Nike, et ici, encore une fois, The Future is Now. Alors attention, je vous dis tout de suite, bien évidemment, celles-ci sont des répliques, mais ce sont les plus belles répliques que vous avez la possibilité d'acquérir aujourd'hui. A savoir que vous ne pouvez pas les trouver sur AliExpress, vous ne pouvez pas les trouver sur Dashgate. Si vous les voyez sur Dashgate, sachez que c'est une énorme arnaque. Ils vont vous mettre le visuel de cette paire-là, mais à la réception, à l'arrivée, vous aurez des paires de très bas de gamme. Quoi. Tout simplement, elles n'ont pas du tout cette qualité, pas du tout cette forme, et surtout, encore moins autolassantes. Voilà. Et alors, ce que j'aime beaucoup, je pense que ça va vous faire kiffer également, c'est l'ouverture de cette boîte. Vous voyez ici, elle se scelle en deux, et quand on fait comme ça, ta-da! Waouh! Waouh! C'est juste incroyable. Vous voyez, là, ça, c'est... On a vraiment un côté luxueux. J'adore. Elles sont protégées. Donc ça aussi, c'est un très très bon point. Elles sont protégées d'un papier bulle. Hop. Là, on peut les mettre comme ça. Bon, on va pas le mettre, on va les laisser comme ça. Sublime. Hop, papier bulle également ici, pour éviter de casser le plexi.
que vous voyez, il y a un beau plexi là au centre. Et voilà. Superbe. Ici, on a, comme pour les autres, une plaque. Alors, pour information, ça, on reprend... Ça reprend le visuel de la plaque de Retour vers le futur, enfin de la DeLorean dans Retour vers le futur 2 quand il va dans le futur. Sauf que ici, il y a marqué Oregon. Et Oregon, en fait, c'est parce que c'est là où se trouve le siège de Nike. Là où, en fait, ils créent, ils imaginent les futurs Nike. La même chose également que pour les Nike non autolassantes, en fait, des pliants que je vais vous faire découvrir. Voilà, donc là, il vous explique comment les lacets. Donc, on a un bouton dissimulé sur le côté. Elle s'allume sur la semelle. Ici, on a trois points qui s'allument. Le logo Nike s'allume également. Pour les recharger, donc on a un chargeur ici. Tac, tac. Interdiction de jouer avec, ce sont des répliques. Bon, certains s'amusent à le faire, mais bon, c'est pas... En tout cas, c'est pas du tout conseillé. Voilà, ne pas les mettre dans l'eau parce qu'il y a de l'électricité. Et ne pas enlever la semelle, voilà. Tout simplement. Alors la nouveauté à savoir que, et c'est la même chose pour les autres, si vous les achetez aujourd'hui, elles ont une semelle qui est beaucoup plus bleutée que les autres. C'est-à-dire que celle-là ne va pas jaunir. Souvent, le problème que rencontraient les anciennes Nike Mag, que ce soit les répliques ou pas, hein, la semelle finissait par jaunir. D'ailleurs, pour l'anecdote, au musée du cinéma et de la miniature à Lyon, il y a les fameuses paires de Nike Mag qui ont été utilisées pour la scène cultissime où Marty les enfile pour la première fois, elle se lasse toute seule. Et ben la semelle est complètement jaune, cacadois, désagrège complètement quoi. Et d'ailleurs pour l'anecdote, à savoir, je sais pas si vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'est une commande de Nike, la scène cultissime de Retour vers le futur 2 où Marty enfile pour la première fois les Nike Mag, et ben c'est Nike qui a décidé que cette scène allait se dérouler comme ça. Et ça a été le plus gros succès de Nike. Et c'est d'ailleurs grâce à Retour vers le futur que Nike est devenu ce qu'il est aujourd'hui, devenu le numéro 1. Parce qu'à l'époque, c'était Reebok qui était le numéro 1. Et d'ailleurs, pour information, les Reebok de Ellen Ripley dans Alien le Retour, donc celle-ci, c'était les premières baskets qui ont été conçues pour un film. Et c'est grâce à ces Reebok-là que Ellen Ripley dans Alien le Retour 2 est sauvée. Puisque la queue de l'alien, en fait, à la fin, attrape la chaussure plutôt que la cheville de Ellen Ripley. Et du coup, la chaussure part en espace avec Alien. Et Ellen Ripley est sauvée grâce à ses Reebok. C'est Reebok qui a sauvé Ellen Ripley dans Alien de retour. C'est incroyable. Et ensuite, du coup, Nike, ils se sont dit, on n'est pas plus con que Reebok. Ben, nous aussi, on va aller faire du cinéma. Ben, Batman possède des Nike. Elles ont été cachées un petit peu pour pas qu'on reconnaisse que ce sont des baskets et qu'on imagine que ce sont des bottes. Mais oui, Batman possède des Nike. Dans le film de Tim Burton en 89. Et Nike a eu son plus beau et sa plus belle réussite de placement de produit avec ses fameuses Nike Mag dans Retour vers le futur 2. Pour information, elle devait à la base être anti-gravitationnelle. Sauf que, pour les besoins du scénario, vu qu'il y avait déjà l'overboard qui était en lévitation, il n'y avait aucune utilité que les Nike permettaient de voler. Quoi. En fait, l'idée, c'était de pouvoir jouer au basket et s'envoler pour pouvoir marquer plus facilement des paniers. Et ça a été complètement abandonné pour le scénario. Des pantoufles, tout simplement des pantoufles. La classe, est-ce que vous pourrez sortir avec? J'adore. Et alors pour les enlever, tout simplement on appuie sur le bouton. Hop. Pareil pour ici. Et voilà la plus belle réplique de Nike Mag de Retour vers le futur. Elles sont incroyables. Magnifique semelle glacée qui s'éclaire. Là aussi, c'est les trois LED qui s'éclairent. Ici, le logo Nike qui s'éclaire. Trois boutons. Un bouton qui va vous permettre de les éteindre et de les allumer. Et un bouton qui va vous permettre de pouvoir les...
serrer et desserrer. Le bouton au milieu, lui, par contre, est fictif. C'est celui qui était utilisé pour les vrais Nike Mag, puisque les vrais Nike Mag utilisaient deux boutons. Un bouton pour les serrer et un bouton pour les desserrer. Et pour les recharger, ici, on a une petite sortie jack. Et à l'intérieur, on a un chargeur pour pouvoir le recharger. Par contre, à l'intérieur, il y a un chargeur uniquement réservé pour les USA. Après, vous achetez un petit adaptateur à 2€ sur Amazon pour pouvoir convertir le chargeur aux normes européennes. Voilà, par contre, il y a énormément d'arnaques qui tournent autour de cette paire pour vous les procurer. Ne vous faites pas avoir. Ne les cherchez pas sur AliExpress parce que vous ne les trouverez pas. Ne les cherchez pas sur Dashgate parce que vous ne les trouverez pas. Ce que vous avez trouvé, par contre, ce sont des photos, cette paire-là, utilisées par des vendeurs peu scrupuleux, qui vont vous faire croire que pour 50$ ou 100$, vous allez pouvoir vous les procurer, ce qui est faux, bien sûr. Et à l'arrivée, quand vous allez les recevoir, vous allez recevoir des chaussons dégueulasses qui ressemblent à rien, qui sont difformes, avec parfois même des télécommandes pour changer de couleur de la lumière. C'est ridicule. Ne vous faites pas avoir. Par contre, voilà, si vous voulez vraiment vous les procurer, je vous le dis tout de suite, c'est de la contrefaçon. Donc je vais pas faire l'apologie de la contrefaçon, mais je sais que nous, on est juste des fans de Retour vers le Futur, et on s'en fout d'acheter des répliques de Nike. Nous, ce qu'on veut, c'est de se procurer un accessoire de cinéma. Par contre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette version, ou la version Nautilus, qui est finalement la même chose, sauf qu'on n'a pas ce système-là? Ben non, celle-ci coûte le double par rapport à celle avec la boîte jaune. Le double. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le double juste pour un système qui finalement est éloigné de celle du système du film, puisque dans le film, Marty met la chaussure, et quand il met la chaussure, tchouf tchouf tchouf, ça se serre. Là, c'est pas le cas. Là, on a un système. Est-ce que ça vaut le coup de payer le double pour ça? La réponse, moi, en tout cas, je trouve que non, ça vaut pas le coup. Vaut mieux acheter la paire Nautilus, où là, on a des élastiques à la place de ça, parce qu'une fois en vitrine, finalement, une fois en vitrine, c'est pareil, c'est la même chose. Et on va pas s'amuser toute la journée à s'en servir, parce que voilà, le jour où ça tombe en panne en plus, on est mal. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, je suis là pour vous répondre. À très bientôt.